plein cœur de l'océan Indien, en Indonésie, l'île de Sumba. Entre mer et montagne, c'est encore un territoire sauvage, préservé du tourisme de masse. Et pourtant, c'est là que deux pionniers ont décidé de tout miser, sur un bout de terre, un terrain délimité par un simple muret de pierre. Il fait 100 mètres face à la mer et 200 mètres vers l'arrière, un peu plus de 200 mètres de long. Et donc, il y a une pente légère qui permet d'avoir la vue d'un peu partout sur le terrain. Youri et Marine ont acheté cet endroit paradisiaque il y a 3 ans. 150 000 euros réunis grâce à des amis et de la famille qui souhaitaient eux aussi investir ici. J'aime bien les arbres, ils sont sympas. Cette petite grotte là, on pourra faire peut-être un petit bar ou un endroit pour faire les barbecues. Mais c'est vraiment stylé comme endroit. Ouais. Face à cette plage, ils ont prévu de construire 12 bungalows haut de gamme. Entièrement conçus dans des matériaux locaux, tout comme le restaurant et la piscine. Un hôtel éco-responsable équipé de panneaux solaires, d'un système de traitement naturel des eaux et même un potager bio. Et si Youri a misé sur Sumba, ce n'est pas pour rien. En bon entrepreneur, il a mesuré le risque avant de se lancer dans l'aventure. Ici, si tout est faisable. Hein. Je veux dire, en fait, ce qui est ici, le coût des travaux est quand même bien moindre qu'en France. Et c'est vrai pour la main d'œuvre, c'est vrai pour la location du matériel. Les plans sont prêts, tout est prêt. On a le permis de construire. Et on est prêt à y aller. Les architectes sont déjà venus, ils ont vu le terrain et ils ont dit c'est top, quoi. Ça va faire un endroit vraiment atypique. Youri et Marine ont déjà trouvé la moitié des fonds pour lancer les travaux. Mais en attendant le début du chantier, ils ont posé leurs valises à 20 km de là. Sur un terrain face à la mer, deux modestes bungalows sur le sable et un restaurant. Un hôtel de poche qu'ils ont construit ces 7 derniers mois pour tester, à petite échelle, leur projet d'écotourisme. Tu t'en sors avec ton miroir ? Encore un peu ? Moi, je vois plus ma tête. Mais tu vois ton front quand même. Bah, super ! Pour le décor, Marine veut absolument privilégier les matériaux locaux. Comme pour ce miroir de récup. Tapis ati ati, hein. J'ai enlevé le truc en plastique rose et j'ai créé quelque chose en bambou. Pour que ça soit un peu plus raccord avec notre style de déco. Car tout dans la décoration doit être authentique. Chaque meuble, chaque élément a été construit par des artisans de la région. Tester le bambou grandeur nature leur a permis d'ajouter des détails auxquels ils n'auraient pas pensé depuis la France. Ça, c'est le banc pour pouvoir se laver les pieds. Parce qu'en fait, quand on est debout sur les bambous, quand on essaie de se mettre sur un pied pour se laver les pieds, c'est un peu galère. Donc là, on peut s'asseoir sur le bambou et se laver les pieds, quoi. Si Youri et sa femme Marine sont venus à Sumba, c'est pour vivre une aventure de couple. Originaire de Nice, il était ingénieur en informatique, elle, éducatrice en crèche. Très amoureux, il s'était promis, dès leur rencontre il y a 15 ans, de bâtir quelque chose ensemble, loin de la France. Alors il y a 3 ans, quand ils découvrent Sumba, ils comprennent tout de suite que cette île, où il y a tout à faire, est faite pour eux. C'est un projet qu'on avait vraiment décidé de mener ensemble. C'était pour se retrouver tous les deux. Quelque chose qu'on voulait faire ensemble, quelque chose qui allait encore plus nous unir. C'est fou un peu, hein. Mais ça va quand même, on a pris du bon moment ici, non? Ah mais ouais, carrément. Non mais c'est juste, ouais, je sens qu'on est au bout là. Je sens qu'on va finir et c'est vrai qu'il y a eu un moment où je pensais qu'on n'allait pas y arriver. Hein? Ça a marché. Pour réussir, il a fallu se mettre au système D. Pour remplir la piscine du restaurant, par exemple. C'est l'eau de la rivière. C'est l'eau de la rivière, donc les gens se baignent dedans. On a déjà fait des tests de qualité de l'eau, donc il n'y a pas de salmonelle, il n'y a pas de bactéries présentes dans cette eau-là. C'est bon là, Youri, est-ce qu'il faut? Il y a ce qu'il faut, je pense. Ouais, là, c'est bon. Il était temps.
Dans deux jours, les premiers touristes arrivent pour découvrir les bungalows et surtout cette île encore méconnue. Il faut trouver des excursions et des visites à leur proposer. Car si à Bali, l'île voisine, tout est organisé pour des millions de touristes, à Sumba, tout reste à faire. Depuis des mois, Marine et Yuri sillonnent l'île. Baliser des sentiers pour des randonnées en moto. Dénicher des cascades au creux d'une vallée. Repérer des fonds marins. Mais aussi proposer une découverte de la culture ancestrale de Sumba. Bonjour. Comment allez-vous? Dans ce village proche de leur futur hôtel, on tisse des ikats, des tissus teints avec des pigments naturels. Et chaque famille a sa propre technique. Pour obtenir du rouge, il faut broyer de la noix de mengkudu dans l'eau, puis plonger le fil à tisser dedans, jusqu'à ce qu'il soit bien rouge. La légende raconte que c'est grâce aux ikats que les anciennes générations passent des messages aux nouvelles. Yuri en est certain. Cela ferait une très belle excursion pour les touristes. Ils pourraient tisser aussi un peu, ils pourraient comprendre donc toutes les étapes, on pourrait leur expliquer toutes les étapes du tissage, ce qui leur permettrait de mieux comprendre tout le travail qu'il y a derrière, tout l'aspect culturel qu'il y a derrière qui est très important, et puis après aussi de ramener un peu d'argent dans le village, et ça permet de faire perdurer la tradition. Toujours en quête d'inspiration, Marine voit tout de suite ce qu'elle pourrait faire de ses tissus. Tu vois ça pour mettre sur les lits, ça fait sympa, pour faire une bordure. Il faudra revenir avec un mètre pour les mesurer. Tu fais 1m80 toi, non? Moi je fais 1m80. Ouais, bah c'est bon. Marine reviendra. Pour le moment, elle doit se concentrer sur l'inauguration de leur restaurant, une soirée indispensable pour s'intégrer à Sumba et recevoir le soutien des notables de la région. À Sumba, en Indonésie. Comme chaque semaine, Marine et Yuri inspectent leur terrain. C'est ici qu'ils veulent construire leur villa traditionnelle. Salut John, ça va? Ils doivent se faire accepter par les habitants, peu habitués à la présence d'occidentaux. Qu'est-ce que tu fais? Je répare mon bateau de pêche. La plage est en contrebas de leur terrain, mais elle ne leur appartient pas. C'est John qui habite ici. On essaye de voir avec John comment l'inclure au projet, donc comment faire en sorte qu'il puisse nous fournir du poisson, peut-être assurer un peu la sécurité du lieu vis-à-vis des animaux ou vis-à-vis des gens. Et puis surtout, on aimerait bien lui demander de décaler un peu les maisons. Et donc pour ça, on essaie de voir avec lui si ça le dérangerait. Je serais content de voir des touristes. Je me sentirais moins seul. Bon, allez, on va y aller, mais on se revoit bientôt, hein, ok? Je prends le sac. Yuri et Marine veulent proposer aux pêcheurs de lui construire une nouvelle maison, un peu plus loin, mais avec l'électricité. En attendant le début des grands travaux, dans leur petit hôtel test, ils préparent l'inauguration du restaurant. Encore plus haut, il faut soulever. Pour ces deux Français, la soirée est décisive. Ils doivent absolument se faire accepter par les locaux. Aucun détail n'est négligé. Ah, mais il faut en remettre encore! Marine a embauché deux cuisinières du village. Et pour plaire à leurs invités sumbanais, elle n'a pas misé sur la gastronomie tricolore. Alors, pizza et burger. Et ici, ils vont acheter, quand ils vont à Bali, ils ramènent des pizzas de Bali. Donc du coup, voilà, on sait que ça va leur plaire. Et comme ça, on se dit qu'après, ils vont revenir. Et il a fallu faire le pain des 50 burgers prévus, un par un. Alors, verdict. On va voir si ils sont cuits à l'intérieur. Ouais, attends, je prends un couteau. Pourquoi vous les avez fait maison, les pains burgers? Ah bah parce que sinon on n'aurait pas eu de pain burger. Il n'y a pas de pain. Il y
Ici, on peut trouver que du pain de mie. Pour la viande aussi, il a fallu improviser. Il n'y a pas de boucherie dans ce coin de l'île. Voilà. Est-ce que ça va hacher, ça? Tu l'as déjà fait fonctionner avant ou pas? Jamais. Hourra, ah. Ça marche. Ça marche? L'inauguration du restaurant et des deux bungalows n'est qu'une étape. Mais elle est essentielle pour la suite de leur projet. C'est excitant, c'est un peu stressant, mais c'est un enjeu qui est super important pour nous puisqu'on va pouvoir voir, la réaction des premiers clients. On espère vraiment que ça va leur plaire. Le bouche à oreille a fonctionné. J'ai vendu une bière. Yuri salue les invités un à un à l'occidental et de façon plus locale. C'est un malam. Près de 40 personnes sont venues découvrir le restaurant des deux petits Français, comme ils les surnomment. Des amis, des voisins qui semblent tous apprécier la cuisine de Marine. Mais il y a des invités que Yuri et Marine sont particulièrement contents de voir, les notables de la région. Parmi eux, en chemise grise, le chef local de l'armée et sa garde rapprochée. Le couple est aux petits soins pour lui. Bonsoir, vous avez tout ce qu'il vous faut? Tout va bien? C'est quelqu'un de très important ici, c'est lui qui s'occupe de la sécurité, de tous les problèmes. Et donc c'est génial qu'il soit venu ce soir. Ce sont des pizzas maison. Paris réussi pour Yuri et Marine. Le jeune couple peut enfin souffler. Leur seul regret, que leur famille ne puisse pas partager cet instant avec eux. Mais c'est le prix à payer pour réaliser leur rêve à l'autre bout du monde. Un rêve qui va devenir très concret dès demain, avec l'arrivée des tout premiers touristes. En Indonésie, sur l'île de Sumba, c'est enfin le grand jour pour le couple qui a tout misé sur cette destination méconnue, à l'écart des circuits touristiques. Aujourd'hui, ils accueillent leur tout premier client. Laurent et Wilfried ont 18 heures d'avion dans les jambes. Au lieu de les emmener directement au bungalow, Yuri leur a réservé un petit cadeau de bienvenue. Ah mais c'est génial, l'arrière-pays. Un petit trek d'accueil impromptu qui n'effraie pas ces deux rugbymen venus passer 3 semaines de vacances en Indonésie. Marcher un peu en plein air après tout l'avion, ça fait du bien. Aller se prendre un petit bain, c'est parfait. Ça. C'est parfait. Ça va nous rafraîchir avec le choc thermique. Et voilà. C'est joli, hein? La cascade de Wilimarong. C'est l'un des refuges favoris de Yuri. Et c'est avec des endroits comme celui-ci qu'il compte séduire ses clients. Ah, génial! C'est magnifique, là-haut, il y a une autre petite basse. Ça vaut le détour. Reste à leur faire découvrir l'hôtel. Il y a quelqu'un? Bonjour! Allez, bonjour. Marine. Fred, Laurent. Bienvenue. Okay. Marine n'a aucune expérience dans l'hôtellerie. Vous avez fait un bon trip? Ouais, c'est sympa, c'était une petite rivière. Ouais. Mais elle sait que les premières impressions sont décisives. Ah bah c'est top, hein, c'est joli, avec les petits les petits toits traditionnels, ça c'est joli ça. C'est sympa comme ça. Hein. Pour 60 euros la nuit, prêt. Ces deux Parisiens s'offrent le dépaysement qu'ils attendaient. C'est chouette. On n'est pas dans de l'hôtel traditionnel en béton et tout ça, donc c'est ce qui fait la différence. Quoi. Ouais. Faire la différence, c'est exactement ce que Marine souhaitait. On a les valises en plus qui arrivent. Ils sont contents, donc là c'est le top du top. Ça me remet un petit peu du baume au cœur. C'est la meilleure récompense. Ouais, franchement, ouais. Après tout le stress, c'est... Là, t'es bien maintenant. Quelques heures plus tard, Marine s'offre un moment de répit.
un rendez-vous avec la France. Je vous vois pas du tout là en fait. Ah bah il y a plus maman maintenant. À 13 000 km de là, ses parents qui habitent Nantes. Ils ne se sont pas vus depuis presque un an, mais suivent l'aventure de leur fille par procuration. L'inauguration du restaurant, c'est bien ? Ouais, c'était super. On a eu pas mal de gens qui sont venus. On avait un groupe de musique. On a fait des pizzas, parce que maintenant on a un four à pizza. C'est bien ? Ouais. Ouais, il marche le four. On est très très fiers. Très contents pour eux, très fiers, et on les trouve très courageux de faire ça. Yuri, de toute façon, tout ce qu'il a dans la tête, il arrive à le faire. Donc, bravo. Ils sont super forts. Même si elle ne regrette pas son choix, Marine ressent parfois le mal du pays. C'est dur, parfois on a envie voilà, d'être ensemble, de pouvoir raconter tout ce qu'on a fait dans la journée. Mais voilà, on s'appelle quand même une fois tous les 15 jours, on va dire, quand on y arrive, quand on est sur la même... Mais on s'envoie beaucoup de messages, oui. Marine et Yuri ont prévu de rester au moins 5 ans à Sumba, le temps de construire leur 12 villas traditionnelles en bord de mer et de gérer les premières années de leur petit hôtel.